Oui, ça a été un lieu pour moi de rencontres et d'échanges artistiques, parce que grâce à la ville d'Enghien-les-Bains, notamment le Centre des Arts, j'ai pu, en fait, grâce au ciné-club qui était projeté en fait chaque mercredi, une fois par mois, j'ai eu la chance de rencontrer des figures majeures de la cinéphilie. J'ai notamment rencontré Jean Doucet et j'ai rencontré aussi Jean-Baptiste Torré, qui était un critique, historien du cinéma, qui animait un ciné-club sur les années 70, les films américains. Et en fait, grâce à ça, en fait, ça m'a permis d'aller vers un autre point, de découvrir ses livres, de découvrir son travail, et ça m'a permis de nourrir encore plus ma cinéphilie, en fait. Ce qui me touche, en fait, c'est que le public soit touché par les portraits. Ce que les gens, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'ils ont besoin de se reconnaître dans des portraits. Notamment, j'avais fait une série qui s'appelait Visage, et j'ai demandé autour de moi qu'est-ce qui vous touche, en fait, dans ce que je fais. Et les gens ont dit, bah, moi, j'aime bien tes visages. Et donc, j'ai décidé de faire une série de visages, et parce que l'âme humaine a besoin de se reconnaître, en fait. Et c'est grâce au visage, au portrait, à toutes ces choses-là qui sont. Après, il y en a qui sont plus sensibles à l'abstrait. C'est un peu plus rare, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait des portraits. Bah, les artistes qui me touchent le plus, ce serait Georges Baslitz, parce que son style est très très dur, très très agressif. Et ça raconte toute une histoire derrière, en fait, à travers son histoire intime, ce qu'il a vécu. Et je pense qu'un artiste doit pouvoir raconter son histoire intime à travers son art. Sinon, ça n'a pas d'intérêt pour le public. Et il y a notamment un autre artiste qui est allemand lui aussi, qui s'appelle André Bützer, son style est très coloré, il y a plein de personnages, de visages. Et je dirais que ce serait actuellement l'artiste qui se rapproche le plus du mien. Et je pense notamment à une artiste qui s'appelle Claire Tabouret, qui est une grande artiste parce qu'elle fait partie de la nouvelle génération. Elle a une quarantaine d'années, mais elle fait partie des numéros 1, enfin, ce qui est rare pour un artiste de cet âge-là et de son vivant. Elle est représentée par la galerie Perrotin, et vous pouvez voir son travail à la Fondation Pinault. Je vous encourage à le faire si vous avez l'occasion, parce que son travail est très coloré, et il y a des portraits, mais elle sait aussi faire du paysage. Et tout le monde se reconnaît dans le portrait, et puis elle a beaucoup de talent, et ça se voit du premier coup d'œil.